J'ai aujourd'hui commandé les potions des Smiling Critters. Et oui, à l'intérieur de cet énorme carton, nous retrouvons toutes les potions des Smiling Critters. On va évidemment les découvrir, puis les tester. Ces potions sont évidemment complètement magiques et pourraient peut-être même me transformer en un des Smiling Critters. Qui on a comme Smiling Critters? Rappelons-nous un peu. Nous avons Catnap, Dogday, Craftygorn, Opiopscotch, Kicken Chicken, Kiki Piggy, Bobby Bear Hug et Booba l'éléphant. Oui, oui, on a tellement de Smiling Critters différents. Et dans cette box, il y a normalement toutes les potions. J'ai trop hâte qu'on l'ouvre et qu'on découvre toutes les potions qui nous attendent. Et bah, tu sais quoi, c'est parti. Let's go, ouvrons le carton. Ok, regardez un peu le contenu. Wow, nous avons donc toutes les potions à l'intérieur. J'ai tellement hâte qu'on les teste une par une et qu'on découvre qu'est-ce que ça pourra bien faire sur mon corps. Bon, on va commencer avec une première potion. Ok, on va récupérer celle-ci. C'est donc une potion jaune. Et quel Smiling Critters est jaune? Normalement, c'est forcément Kicken Chicken. Oui, en effet, c'est bel et bien la potion de Kicken Chicken. Ok, bon bah c'est parti. Hop, on la met ici. Elle est vraiment magnifique. On enchaîne directement une potion rouge. Alors, celle-ci devrait être sûrement de Bobby Bear Hug. En effet, le voici, notre petit ourson avec son petit cœur. Hop, on la met à côté de l'autre potion. On continue avec une potion verte. Le vert, ça me rappelle beaucoup le lapin. Et le lapin, il s'appelle évidemment Opiopscotch. Voici la potion. Oh là là, imaginez si je la bois, je me transforme en lapin et je me mets à sauter super haut. Ok, hop, on met la potion à côté. On continue avec une nouvelle potion. Celle-ci est absolument toute blanche. On dirait un peu du lait. Ok, on va voir à qui peut-elle bien appartenir. Et c'est Craftygorn, évidemment, le Smiling Critters qui est tout blanc. Cette petite licorne, vraiment trop jolie. Hop, on la met à côté des autres potions. Maintenant, on n'a plus beaucoup de potions. On va continuer avec la potion bleue. Quel personnage est bleu dans la famille Poppy Playtime? Booba l'éléphant! Mais oui, évidemment! Nous voici maintenant avec Booba l'éléphant, notre nouvelle petite potion. Hop! Ça nous en fait maintenant 5 potions qui sont toutes aussi incroyables les unes que les autres. Et maintenant, on n'a plus beaucoup de potions. On va voir celle-ci, toute rose. Et je crois que le personnage qui est rose, c'est bel et bien un cochon. Et non, c'est pas Peppa Pig, c'est Kiki Piggy qui est ici! Yes! Allez, Kiki Piggy, ça va juste là. Et pour terminer, notre dernière potion, elle est violette, toute magnifique. C'est évidemment Catnap! Let's go! Et voici maintenant toutes les potions que nous avons devant moi. Nous avons Kicken Chicken, Bobby Bear Hug, Opiopscotch, Craftygorn, Booba l'éléphant, Kiki Piggy et Catnap! Incroyable! Mais attendez, il nous manque pas une potion parmi toutes celles-là? Mais Dogday, mais oui, il est passé où Dogday? Allez, on va fouiller un petit peu là parce que c'est bizarre. On n'a pas eu Dogday là-dedans. Bon, je sais pas trop où Dogday est passé. On essaiera de chercher tout à l'heure. Allez, hop, on referme notre petite boîte. Et il va être l'heure de tester les potions pour découvrir que va-t-il bien se passer. Imaginez que les Smiling Critters débarquent chez moi à chaque fois que je teste une potion. Bon, on va commencer par laquelle? Je sais pas. J'ai mélangé un peu les potions et voilà dans quel ordre on va les boire. On va commencer par tout à droite avec Bobby Bear Hug. J'ai bien hâte de découvrir sa mission. Et on terminera cette vidéo en testant la potion de Catnap. Parce que oui, cette potion a des super pouvoirs bien particuliers. Il est possible que je me transforme en Catnap. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il est possible que tout mon corps devienne violet et que je sois Catnap. Non mais c'est une dinguerie. Allez, c'est parti. On commence avec notre première potion, celle de Bobby Bear Hug. Elle m'inquiète un petit peu, ça me fait un peu peur. Mais c'est parti, on commence la première potion. Bobby Bear Hug. Alors, à l'odeur, ça sent plutôt bon en vrai. Ça sent la grenadine, on va dire. C'est un petit goût sucré. On va la tester tout de suite. Ok, alors là, j'ai bu une gorgée seulement et... Ok, peut-être qu'il faut en boire un peu plus avant qu'il se passe quelque chose. Donc c'est parti. Ok, ça fait maintenant 2 gorgées que je viens de boire de Bobby Bear Hug. Ok, là je crois que ça commence à faire un peu effet. On va voir qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer. Mais maintenant que j'ai bu la potion de Bobby Bear Hug, je me sens un peu bizarre. Ouais, je me sens pas bien, j'ai vraiment mal au ventre à cause de la potion. On va voir où est Bobby Bear Hug. Mais what, regardez, Bobby Bear Hug est juste ici. Bon, Bobby Bear Hug, quelle est la mission que toi tu vas me donner? Dis-moi. Coucou Tuner. Alors, c'est très simple. Ma mission va être celle de boire un coca, tu sais, en entier. What? Boire un coca en entier?
entier. Attends, une bouteille de coca, un petit verre de coca, dis-moi. Non, je ne suis pas très méchant. Il va falloir que tu bois une canette. Ok, bon, très bien. Comme tu l'as entendu, la première mission de cette vidéo va être de boire une canette de coca en entier. Bon, le défi de Bobby Bear Hug me paraît plutôt simple. Quoique, une canette de coca en entier, ça risque de vraiment me faire des très gros gaz. Mais on est obligé d'accepter la mission. C'est parti, on va prendre une canette de coca. C'est parti les potes, voici la canette et on va donc devoir la boire en entière. Je risque de faire un très gros rot après ça, mais c'est pas grave, c'est notre défi du jour. Alors avec toutes les potions que je vais boire, je vais avoir le ventre bien gonflé. Mais c'est parti, on commence. Ah, oh, c'est super super gazeux. Bon allez, on continue. Ah, les potes, c'est tellement gazeux, mais il faut vraiment que je finisse la canette. Les potes, je blague pas du tout avec vous, c'est... j'ai vraiment très très mal au crâne. J'ai bu beaucoup beaucoup trop de coca. Ok, bon, les potes, je crois qu'on a officiellement réussi la mission de notre premier personnage. Et du coup, Bobby Bear Hug, qu'est-ce que je vais gagner? J'ai bu absolument toute la canette, il n'y a plus rien du tout là. J'ai vraiment mal au ventre. Ne faites pas ça chez vous parce que après vous allez faire des rots énormes. Et je crois que je viens de gagner une petite peluche, comme tu peux le voir. Ok, et c'est la peluche de Bobby Bear Hug. Bon, ça veut dire que la mission est complétée. Et à chaque mission qu'on va compléter, on gagnera une nouvelle peluche. Ça c'est une bonne nouvelle. Allez, on la place juste à côté et on passe à la nouvelle potion. J'ai trop hâte. Pour Bobby Bear Hug, on est maintenant ok. On passe à la deuxième potion de la vidéo et c'est bel et bien celle de Hoppy Hopscotch, notre superbe lapin de Poly Playtime. Alors la potion est verte. Qu'est-ce qui est vert normalement? Les haricots verts? Les brocolis? Non, je suis pas très fan. Bon allez, on va tout de suite l'ouvrir. L'odeur est extrêmement forte et ça sent vraiment mauvais là-dedans, mais je suis obligé d'en boire. Attends, je vais renifler un peu. Ah, ça sent les égouts en fait. Bon, bah c'est parti, on va en boire un peu. Ok les potes, ne faites pas ça à la maison. La potion est absolument ignoble. Mais c'est bon normalement. J'ai bu la potion du lapin Hoppy Hopscotch. Qu'est-ce qui est censé se passer maintenant? On va découvrir un peu et... regardez les potes, Hoppy Hopscotch est maintenant encore une fois dans mon salon, comme Bobby Bear Hug. Coucou Hoppy Hopscotch, ça va? Coucou Tounet, ça va et toi? Ouais, oh ouais, ça va super. Bon, ta potion elle est horrible. Mais dis-moi, quelle mission nous attend maintenant? Tounet, j'ai vu que tu avais beaucoup d'argent. Non, c'est faux, c'est faux. J'ai pas beaucoup d'argent moi, mais... ça a quoi voir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si, tu ne vas pas me mentir, j'ai vu cela. Mais aujourd'hui, tu vas devoir manger ton argent. Manger de l'argent? Mais n'importe quoi! Bon, il faut trouver une solution. Je vais pas manger de l'argent, ça ne se mange pas. Quoique, j'ai des faux billets, ça peut passer. Peut-être que Hoppy Hopscotch va penser que c'est des vrais et ce sont normalement des billets comestibles. Bon, tu sais quoi? On va en cuisine et je te montre tout ça. Normalement, le défi va être accepté, Hoppy Hopscotch. Voici ce que j'ai en ma possession. Et oui, comme tu peux le voir, je suis peut-être un peu riche, mais je suis riche en billets, en bonbons, hein, pas en vrai. Bon, allez, c'est parti, on va regarder un petit peu tout ça. Let's go, ok. Alors, voici ma liasse de billets. Est-ce que tu veux des 20 euros? Des 20 euros encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des 20 euros? Des 20 euros ou des 20 euros? Bon, en sachant que les vrais billets de 20 euros sont en bleu, on va plutôt prendre cela. Comme ça, au Hoppy Hopscotch, je vais vraiment y croire. Voici un billet de 20 euros en bonbons et voici un vrai billet de 20 euros. Ouais, ça se ressemble un petit peu. Bon, allez, c'est parti. On en prend un et je vais le manger devant Hoppy Hopscotch. Bon, Hoppy Hopscotch, tu me regardes, hein, c'est parti. Ça a beau être un bonbon, c'est vraiment, vraiment pas très bon, hein. Ok, bon, allez. Hey, Twitter, je veux que tu fasses un croc dans tous tes billets. Tout ça? Mais ça marchera jamais. Bon, vas-y, on va faire un croc dans tous les billets. Ok, c'est bon, Hoppy Hopscotch, j'ai réussi ma mission. Dis-moi, c'est bon? Oui, c'est validé. Ok, yes. La mission de... les potes, c'est vraiment pas bon. Mais on a réussi notre mission de Hoppy Hopscotch. J'ai maintenant complété la mission d'Hoppy Hopscotch. Et voici ma petite récompense. Tu l'auras reconnu, c'est évidemment notre superbe lapin tout vert.
moi. Yes. Allez, on va le placer à côté de Bobby Bear Hug. Et on va passer, à la nouvelle potion des Smiling Critters. Notre nouvelle potion est maintenant celle de Kicken Chicken. Oh, celle-là m'a l'air assez intéressante et intrigante. Elle est toute jaune. Qu'est-ce qui est jaune? Rappelez-moi. Le pipi. Oh non non non, ok bon, j'espère que ce sera pas du pipi là-dedans. C'est parti, on va tout de suite ouvrir la potion et je vais vous dire qu'est-ce que ça sent. Ok, ça sent l'huile de friture. Bah oui, Kicken Chicken c'est un poulet. Imaginez que c'est l'huile de friture du poulet KFC. Ok bon, ça sent un peu bizarre mais on va tester cette boisson. Ah, ok bon, ça secoue un peu la tête cette potion. Ah, ça fait un petit peu un peu bizarre là. Ça a beaucoup de mal à passer mais j'ai bu la potion de Kicken Chicken. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Là, ok bon, là il y a rien du tout. Comme on peut le voir, Kicken Chicken n'est pas à cet endroit. Il m'a fait une petite blague. Peut-être que regardez dans le couloir, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Kicken Chicken. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Coucou les Brières, j'ai une mission pour toi. Il faut que tu touches la couleur jaune en moins de 30 secondes. Dépêche-toi. Toucher la couleur jaune, bah vas-y, je touche la potion, c'est bon, j'ai gagné. Ça marche pas de toucher la potion. Ok, il faut qu'on trouve une couleur jaune dans ma maison en moins de 30 secondes. C'est parti. Où est-ce qu'il y a du jaune? Où est-ce qu'il y a du jaune? Allez, on va regarder la pizza. Non, sur la pizza, c'est pas jaune, c'est du rouge, du orange. Ça marche pas, ça marche pas. Ok, il faut vite qu'on trouve du jaune. Où est-ce qu'il y a du jaune? Où est-ce qu'il y a du jaune? Venez voir. Non, la statue, elle est un peu marron. Ça, c'est rouge. Ok, on va continuer, Oh, regardez ici, on a Bowser. Et qu'est-ce qui tombe bien avec Bowser? Sa couleur principale, c'est le jaune. Touk, j'ai touché. Kicken Chicken, est-ce que la mission est acceptée? Normalement oui, j'ai touché la couleur jaune en moins de 30 secondes. Est-ce que c'est réussi? Félicitations Winner, tu as réussi. Tu vas récupérer maintenant ton cadeau. Allez, au revoir. Let's go les potes. Je viens de récupérer mon cadeau qui est bel et bien Kicken Chicken en version peluche. Yes. Bon, nous avons maintenant encore 4 potions à tester et des potions intéressantes, notamment celle de catnap qui risque de me transformer en un catnap réel. Ça va être une dinguerie. Allez, hop, on met le Kicken Chicken juste là et on passe maintenant à la toute nouvelle potion, la potion bleue, celle de Booba l'éléphant. Ça va être vraiment intéressant. Je sais pas trop où Booba l'éléphant pourrait apparaître dans ma maison vu qu'il aime beaucoup l'eau. Imaginez qu'il apparaisse dans mes toilettes. Ok, c'est parti, on ouvre la potion de Booba l'éléphant, on va la renifler un peu. Ça sent vraiment l'eau bizarre, ça sent l'eau qui vient du lac mais qui est un peu pourrie. Ok bon, on va tester la potion de Booba l'éléphant. Let's go. Ah, ok, j'ai bu pas mal de potions de Booba l'éléphant. On va refermer ça tout de suite et on va regarder où Booba l'éléphant a-t-il bien pu apparaître dans ma maison. Oh, vous entendez? J'entends des bruits d'éléphant chez moi là. Mais what? Booba l'éléphant est dans ma maison. Ok, il faut qu'on le cherche. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est vraiment vers les toilettes en fait. J'ai eu raison. On va tout de suite voir, est-ce que Booba l'éléphant est dans les toilettes? C'est parti. 3, 2, 1. Hey, Tuner, tu m'as dérangé pendant que j'étais en train d'aller aux toilettes. Bon, ta mission d'aujourd'hui va être très simple. Tu vas avoir un grand chewing-gum de 1 mètre. Tu vas devoir le mettre dans ta bouche et le mâcher en moins de 30 secondes. What? Vous avez entendu ma mission? Je vais avoir un chewing-gum qui fait 1 mètre de long et je vais devoir tout mettre dans ma bouche en moins de 30 secondes. Ok, bon, allons voir dans la cuisine où le chewing-gum peut-il bien être et on va réaliser la mission de Booba l'éléphant. Voici le chewing-gum que je vais devoir manger en entier. Bon, on va tout de suite le déballer. On va voir la longueur que ce même chewing-gum fait. Waouh! Mais attends, mais attends, il y a un problème là. C'est largement plus qu'un mètre ce truc. Bon, allez, c'est parti. On met directement le chewing-gum ici et je vais devoir tout manger en moins de 30 secondes. J'espère que ce sera une mission réussie, même si je suis pas très sûr. Allez, c'est parti. Le pote, j'ai réussi. Booba l'éléphant, j'ai réussi la mission. Ok, j'ai jeté le chewing-gum parce que j'avais la bouche vraiment remplie à cause de cet énorme chewing-gum. Mais maintenant, Booba l'éléphant, est-ce que j'ai réussi la mission? J'ai pris un peu de temps pour le chewing-gum, c'est vrai, mais j'ai quand même fini par tout manger. Alors, mission acceptée ou pas? Je m'attendais à mieux de toi, mais bon, défi validé. Yes! Et on va donc récupérer notre nouvelle récompense. C'est Booba l'éléphant. Wow, wow, wow.
Waouh, regardez, il vient d'apparaître sous nos yeux. C'est en tout cas une mission accomplie. Incroyable, on est maintenant à 4 Smiling Critters. Il nous en manque plus beaucoup. Allez, on va tout de suite poser les Smiling Critters. Ok, nous avons les 4 Smiling Critters. Et dès maintenant, on va tenter notre chance pour réaliser la mission de Piggy Piggy en buvant cette potion. Et elle, elle a l'air d'être trop bonne. Regardez, c'est tout rose, comme la framboise ou même le chewing-gum. Pour une fois, ça sent super bon. Ça sent les fruits rouges, les potes. Oh là là, je crois que je vais adorer la boisson de Piggy Piggy. Tu sais quoi? J'ai trop hâte, je vais même la boire dès maintenant. Ok, regardez, j'ai jamais bu autant de potions parce que elle, elle est juste exceptionnelle. Bon, allez, hop, on referme notre potion. Et quelle est la mission que Piggy Piggy va bien pouvoir nous donner? On va découvrir ça tout de suite. C'est tellement acide. Oh là. Ok, bon, on est obligé d'accepter la mission de Piggy Piggy pour récupérer une nouvelle peluche. Et notre objectif est bien celle de récupérer toutes les peluches des Smiling Critters. Donc c'est parti, voyons voir un citron. Le voici, notre superbe citron. Et non, ce n'est pas un trompe-l'œil ou un gâteau. C'est bel et bien un vrai citron, hein. Vous allez voir ça de toute façon. Let's go, on va... Ah. Ok, bon, on va taper un gros croc quand même, parce que Piggy Piggy sinon on va pas être contente. Donc c'est parti, je vais me fermer les yeux parce que ça risque d'éclabousser. Et ça pique beaucoup les yeux le citron. C'est parti. Ah. Ah le pote, j'ai des pépins. Et c'est super super acide. Bon, tu sais quoi, Piggy Piggy, regarde même ce que je vais faire pour toi. Ah ok ok, allez pote, c'est super super acide. Ok, bon, Piggy Piggy, est-ce que c'est mission validée là? J'ai pris un énorme citron pour toi. Oui, c'est bon, mission validée. Yes. Ok, bon, c'est la première et dernière fois que je fais ça avec un citron. C'était vraiment horrible comme sensation. Oh, j'avais maintenant... Oh, ok, regardez ça. J'ai maintenant mon nouveau Smiling Critters en peluche. Et c'est Piggy Piggy. Franchement, cette mission-là, je l'ai vraiment méritée parce que c'était très très acide. Allez, on pose les Smiling Critters à côté des autres, mais il manque plus beaucoup de missions maintenant. Voyons voir quelle potion il nous reste. Il reste plus que ces deux petites potions. Celle de Crafticorn, celle de Catnap. Bon, on garde Catnap pour juste après. Elle est incroyable cette potion, j'ai trop hâte. Maintenant, Crafticorn, quelle mission va-t-elle bien pouvoir nous proposer? On va tout de suite l'ouvrir pour voir, sentir l'odeur. Oh, ça sent bizarre. Ça sent le lait, mais le lait pourri. Le lait de chèvre. Ok, ok. Bon, allez, on va quand même goûter la potion. Rien que boire la potion, c'était déjà ma mission normalement. Ah, ok, bon, au vu du goût que cette potion est là, je vais pas en boire plus. Hop, on va la refermer. Mais du coup, Crafticorn, où est-ce qu'elle est? On va tout d'abord chercher où est Crafticorn. C'est parti. Attendez, regardez vers la porte. Hey, coucou Twinner! La mission que je vais te donner va être de faire un mélange improbable. Tu vas devoir manger des céréales, mais pas avec du lait. Avec une boisson, tu vas pas du tout avec les céréales. Bonne chance! Manger des céréales avec une boisson bizarre? Ok, bon, pourquoi pas. C'est parti, récupérons des céréales et il faut qu'on trouve une boisson qui ne va pas du tout avec les céréales. J'ai du lait d'amande. Du lait d'amande? Non, mais ça, ça ressemble beaucoup à du lait. Non, ça le fait pas du tout. Voyons voir. Je prends un bol des céréales et après, on réfléchit à la boisson. C'est bon, j'ai pris les céréales, un petit bol. On va verser directement les petites céréales. Ok, parfait. Et maintenant, je vais rajouter une boisson insolite. Est-ce que tu es prêt? Déjà, on va goûter une céréale comme ça. Ce sont vraiment mes céréales préférées. Quelles sont tes céréales préférées à toi? Perso, je suis dans la team trésor. Allez, c'est parti, découvrons la boisson insolite dès maintenant. Est-ce que c'est vraiment recommandé de boire une Red Bull avec des céréales? Je suis vraiment pas sûr de ça. Ça risque de faire un mélange atomique. Ok, bon, c'est parti. Je suis déjà pas très fan de Red Bull. Ça me rend comme un fou. Alors, avec des céréales, surtout le matin, c'est pas trop recommandé. Bon, c'est parti, regardez. Oh, regardez, c'est des céréales gazeuses au Red Bull. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, sérieux? Est-ce que je suis vraiment obligé de faire ça? Crafticorn, je peux pas manger. Bon, allez, on va tester des céréales au Red Bull. Oh, oh non, j'arrête, j'arrête, c'est mission validée ou pas? Non, il va falloir que tu en manges beaucoup plus pour que ton défi soit validé. Ah, mais on mangeait plus de ces céréales au Red Bull. Non, 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 je peux pas. Bon, allez, je vais en manger 5 et normalement après ce sera réussi, hein. Allez.
Ah, les potes, ne faites pas ça à la maison. On a le goût des trésors, c'est bon. Mais après, là, il y a le goût de la Red Bull. Oh. Non, je veux pas en manger plus, Crafty Corn. Dis-moi que j'ai réussi, là, s'il te plaît. C'est bien, tu as mangé les céréales. Mais maintenant, il va falloir que tu bois un peu de Red Bull. Quoi? Ok, mais je vais devenir complètement fou après, là. Sérieux. Bon, allez, c'est parti. Ah non, les potes, c'est des Red Bull avec un goût de céréales et... Oh non, les potes, c'est en train de me rendre comme un fou, là. Crafty Corn, c'est bon, j'ai réussi ma mission. Défi validé. Yes. Je vais maintenant récupérer la nouvelle peluche des Smiling Critters, Crafty Corn. Mais regardez, regardez, Crafty Corn, elle est accro aux céréales Red Bull ou quoi? Elle veut tout le temps manger. C'est maintenant l'avant-dernière peluche des Smiling Critters qu'on a récupérée. Et il est l'heure de passer aux choses sérieuses avec la potion de catnap. Les Smiling Critters, ils sont carrément tous avec moi. Mais il manque maintenant catnap. Il est l'heure de passer à notre dernière potion de cette vidéo, la potion tant attendue. Oh là là, rien que la sentir, j'ai l'impression de pouvoir me transformer en catnap. Waouh, ça sent une odeur extrêmement forte. Et pour que je me transforme en catnap, ça va être différent des autres potions, puisque celle-là, je vais devoir la boire en entier, les potes. Et ensuite, je deviendrai un vrai catnap. Les potes, c'est parti pour boire la potion de catnap. Avant ça, clique vite sur le bouton pouce bleu et abonne-toi à la chaîne, parce que ça va être incroyable ce qui va se passer. Allez, 3, 2, 1, yes! C'est parti! Allez! Ok, j'ai bu la moitié de la potion et je commence déjà à sentir des pouvoirs entrer en moi, mais il faut vraiment que je la bois en entier, donc on va continuer! Allez! Ah ok les potes, regardez, j'ai déjà bu tout ça les potes, il me manque juste un tout petit peu. Et je vais me transformer en catnap. Allez allez, on continue. Ok les gars, je commence à pas me sentir très très bien. Oh les potes, attendez, mais je me mets à miauler là. Mais je deviens catnap ou quoi? Ok, on finit. Les potes, j'ai fini la potion de catnap. Les gars, je miaule et tout, c'est vraiment incroyable. Je crois que dans quelques instants, je vais devenir un véritable catnap. Regardez ça. Ok. Bon, les potes, oh, je commence à vraiment pas être très bien là, les gars. Je me sens pas bien. Attendez, je reviens tout de suite. Il faut que j'aille aux toilettes. Ça va pas du tout, les potes. Je reviens dans quelques instants. Je t'attaque. Et t'as de nouvelles vidéos, une à droite, une à gauche. Je te souhaite un bon visionnage.